Aujourd'hui, on est à l'Académie de Clermont-Ferrand où on fait une journée atelier de clôture pour le groupe de travail numérique GTNUM Créa Jeux Vidéo. Alors ce groupe de travail numérique a pour but de traiter de l'apprentissage par la création de jeux vidéo. Donc on est un groupe d'acteurs partenaires qui sont soit des académies, soit des créateurs de contenu, soit des chercheurs qui se sont rassemblés pour produire des ressources, produire des formations et surtout poser un cadre d'expérimentation qui pourront être évalués pour montrer l'impact que peut avoir des ateliers de création de jeux vidéo à l'école. Les principaux défis ont été autour du développement des compétences disciplinaires. Comment, à travers le jeu vidéo, on peut rendre le théorème de Pythagore compréhensible et acceptable par tous? Comment, à travers le jeu vidéo, le professeur de français peut faire comprendre ce qu'est la poésie à un élève de 5e? Ou tout simplement, comment le jeu vidéo peut être aussi un outil de valorisation? Et alors, je ne dirais pas des élèves, mais des enfants vis-à-vis de leurs parents, parce qu'effectivement, bien souvent, le jeu vidéo est décrié comme étant un outil d'asservissement, alors que par la création de jeux vidéo, les parents nous disent tous « mon enfant joue moins ». Par contre, il a un esprit critique. Donc c'est vraiment des défis qui nous tiennent à cœur et qui sont d'une grande richesse pour l'avenir. Les enjeux autour du jeu vidéo, c'est des enjeux de responsabilité. Au-delà du jeu lui-même, de la pratique purement ludique, en réalité, on parle d'histoire d'humain, d'univers, de monde fictif ou réel. Et donc, il se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Voilà l'empreinte que ça laisse sur nous. Donc, il faut bien le faire, il faut bien y réfléchir et il faut bien aussi, justement, voir le jeu vidéo comme un vrai média, puisque c'est une des questions prépondérantes, à savoir si le jeu vidéo est un média. Moi, je pense que ça l'est totalement, puisqu'il est vecteur de ces différentes histoires, de ces différents univers, et que y réfléchir, y contribuer, créer ces mondes-là, ça contribue aussi à ce que les personnes qui prennent part à tout ça travaillent, collaborent ensemble, puissent réfléchir au futur possible aussi. Et puis en même temps, si on peut apprendre des choses au passage, si on peut apprendre à programmer, on peut apprendre à réaliser des choses, des œuvres collectives, ben c'est génial. Et donc c'est en ce sens que le jeu vidéo a cette force, c'est l'interactivité vers une réflexion sur les mondes possibles de demain. Aujourd'hui, c'était la journée de conclusion de ce groupe de travail autour de l'apprentissage par la création de jeux vidéo. Mais c'est une conclusion qu'on ne veut pas définitive, en fait. C'est plutôt un appel à aller ailleurs, à aller au-delà. C'est une suite qui est à construire avec toutes les parties prenantes, en fait, qu'on a pu mobiliser durant le projet, les enseignants, les chefs d'établissement, les inspecteurs, les corps d'inspection, mais aussi au-delà de l'éducation nationale. Je pense aux collectivités territoriales, aux structures culturelles. Aujourd'hui, on avait les archives départementales de plusieurs départements. Ça peut être des mairies, des médiathèques. En fait, tout est à construire au service des jeunes, de leur éducation, du développement de leurs compétences et de celles de leurs parents.